Salut les amis, de nouveau au bord de l'eau, cette fois-ci un autre endroit, un nouveau carpodrome qui vient de s'ouvrir. Je suis dans le 27, dans l'Eure, dans le département de l'Eure, l'étang de Condé. Et là, l'avantage d'avoir un carpodrome qui autorise multi de pêche, c'est-à-dire l'anglaise, le feeder, la canne au cou. Donc c'est intéressant, on n'en a pas beaucoup en France, donc c'est toujours sympa de pratiquer ces différentes pêches sans être obligé ou être bloqué parce que le règlement ne l'autorise pas. Voilà, donc là c'est, comme je disais, c'est un carpodrome qui vient d'ouvrir. C'est un ancien plan d'eau de pêche à la truite et Laurent est un passionné avant tout et vient d'acquérir ce domaine. Donc c'est un plan d'eau de, bon, on aura confirmation de sa part, mais d'un hectare avec particularité très profond. Ça va de 2 mètres 20 à 4 mètres en fonction des endroits. Et là, il a repeuplé des poissons d'une petite taille pour le moment. Donc c'est essentiellement ce qu'on touche aujourd'hui. Mais il y a des beaux spécimens d'amour blanc et quelques carpes communes de 8-10 kg quoi. Mais bon, là, on est focalisé. Les poissons, c'est des jeunes poissons qui ont été remis dernièrement. Et donc, c'est celle-là qu'on tape en priorité pour l'instant. Quoi. Donc, on va s'occuper du poisson. Allez, on s'occupe du fish. Voilà les petites carpes qui ont été implantées là cette année. Donc ça fait pas mal de touches, c'est plaisant. Bon, c'est pas spécialement forcément le poisson que moi je recherche, mais de temps en temps ça fait plaisir et puis ça fait de la touche quoi. Hop. Allez, c'est le temps de grandir. Allez, je relance. Alors là j'ai utilisé trois méthodes, la canne au cou, la méthode feeder et le waggler que je vais essayer tout à l'heure. Parce qu'il y a pas mal de poissons en surface à 20-25 mètres de mon poste. Mais bon, là, je les touche vraiment facilement, entre guillemets, aux méthodes feeder. Voilà. Petite présentation bien sympathique, il n'y a plus qu'à. Donc là, j'attends pas très très longtemps les touches, hein. Ça va assez vite quand même. Là, ils réagissent bien sur le... Je pense que c'est au moment de l'impact, ça doit attirer les poissons. Donc là, je suis à peu près dans 3,90 m de fond. Ça ressemble vraiment typique à des petits plans d'eau anglais comme on peut connaître en Angleterre. Bon, sauf le fond qui différence, parce que c'est vrai qu'en Angleterre, on n'est pas habitué à avoir des plans d'eau avec des profondeurs aussi importantes. Donc en attendant la touche, je vais vous montrer les cannes. Alors, concernant la canne au cou, donc là, je surveille ma ligne quand même, parce que ça va vite. Donc là, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, moi j'ai plus l'habitude d'être sur des poissons, on va dire, de 6-7 kg quoi. Là, on est sur du poisson de 1,5 kg, donc mes kits ne sont pas forcément adaptés. Hein. La taille des élastiques, c'est un peu gros quoi, quand même. Donc là, j'ai volontairement descendu en 18 centièmes. Je suis revenu avec le risque peut-être de taper un amour. Ça, c'est le risque. Hein. Mais bon, pour l'instant. Et sur des petits bouchons.
Là, je suis en 0,5 g. Bon, ça change pas de plan d'eau. Et surtout, ce qui est important, c'est les hameçons. Donc là, je suis sur des hameçons pas forts de fer, plutôt piquants, parce que là, on est quand même sur des jeunes poissons qui ont une bouche très fragile. Donc, fort de fer, vous allez avoir tendance à décrocher. Et puis, bah, c'est pareil, là, quand vous ramenez les poissons avec l'élastique un peu gros, faut y aller doucement parce que vous risquez d'arracher la gueule du poisson. C'est pas le but. Voilà. Donc, j'ai monté 3 kits parce que je me suis adapté. Et vous voyez, j'ai à peu près 2 mètres de fond. Il me reste quand même 30 cm de bannière. Donc, je vous conseille, si vous venez pêcher au cou ici, il faut venir avec des kits numéro 3. Ça sera quand même plus facile pour vous. L'inconvénient des cannes de bordure, bah, vous avez que des kits numéro 2 ou après il faut mettre un système de poule à kit à l'intérieur sur votre kit numéro 3. Mais là, avec une canne de 11,50 m, avec des kits numéro 3 en élastique, je pense, on va dire 2-2. Là, j'ai une touche 2-2, ouais, 2-2, 2-1, ça le fait très très bien, il n'y a pas de problème. Et vous devriez bien vous éclater. Donc, ça marche super bien au cou, ça marche bien au feeder, vous venez de le voir en direct. Hop. Poisson, voilà, sympathique. Allez, bon, là je peux me permettre de les prendre comme ça, et en plus, par sécurité, j'ai mis un tapis sur ma station. Comme ça, au moins, si ça peut arriver, malheureusement, hein, que le poisson me lâche des mains, au moins il y a le tapis en dessous. Voilà, zou, allez, on continue. Bon, vous voyez, ça répond bien au feeder sans se prendre la tête, hein. Vraiment pêcher très très simple, hein. Là c'est du pelé de 4 mm, un dumbbell, hop, toc. Bon, la difficulté de tout ça maintenant, c'est la précision aux méthodes feeder, c'est d'essayer au moins d'essayer de lancer toujours à peu près au même endroit. C'est pas le but, c'est pas d'arroser sur 150 mètres carrés, façon de parler. Et ça, pour l'instant, la précision, c'est pas mon fort. Alors, je pense avec le temps, l'expérience. Là, j'ai pas de repère visuel où je pêche. D'habitude, j'ai un arbre, donc j'essaie d'être précis. Là, j'ai un repère en face de moi. Mais je suis à 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite. Hop, c'est parti. Pour l'instant, on a commencé ce matin au cou, en bordure, on a fait un peu de poisson. Et vers midi, j'ai commencé un petit peu au feeder. Et ça a commencé à donner au feeder, donc on a continué au feeder. Mon collègue Pascal aussi, on a essayé au cours tout à l'heure, mais ça s'est calmé un peu. Bon, là, on a un petit moment de creux, mais on peut dire que ça a bien donné, on a fait une belle journée de pêche. Alors, une petite présentation brièvement du plan d'eau, parce que notre collègue Laurent, le propriétaire, a peur de la caméra, donc du coup c'est moi qui vais faire la présentation du plan d'eau. Donc vous êtes sur un carpodrome d'1,2 hectare. Le moyenne des profondeurs
3,90 m, il y a 1,8 t de carpe. Vous avez de la brème, du rotangle, des carassins aussi. Il y a des amours blancs, des beaux spécimens. Et quelques gros spécimens aussi en carpe, des poissons de plus de 10 kg on va dire. Sinon la 1,8 t, c'est des poissons de entre 1,5 kg et 2,5 kg, quoi. Ça reste du petit poisson, mais bon, c'est du poisson de carpodrome, comme ce plan d'eau est appelé à faire des crésies, et il a déjà fait un, des mâches, donc il y a la possibilité. Donc ce qui est bien, ce que je disais tout à l'heure en introduction de cette vidéo, c'est quand même très peu, il y a très peu de carpodromes en France qui autorisent en fait multipêche, on va dire en open. C'est que vous pouvez à la fois pêcher au cou, à la canne au cou, au feeder, à l'anglaise, enfin toutes les techniques qui permettent de pêcher la carpe. Et du coup, bah, ça a un avantage. Donc là, l'avantage aujourd'hui, bah, on pêche en open, ça me permet de voir un peu le plan d'eau et apprendre à le connaître. Donc les retours d'expérience que je peux dire, c'est que si vous venez ici, vous voulez essentiellement pêcher au cou, c'est clair et net, il vous faut minimum une canne de 11,50 m et surtout en 3 brins. Parce qu'en 2 brins, vous allez être limité. C'était le cas chez nous ce matin. On a fallu qu'on trouve un poste, on va dire, avec 2 mètres de fond. Mais après, vous êtes limité et ça passe plus, quoi. Ou sinon, il faut un poulet à kit intérieur, aménager le truc. Mais le mieux, c'est d'avoir des cannes de minimum 11,50 m. Je pense qu'on peut s'en sortir. Le plan d'eau s'y prête bien pour les cannes de 13 mètres. Ah, ben, départ en direct. Voilà. Donc, le plan d'eau s'y prête bien pour les... pour les cannes de 13 mètres, en fait c'est un plan d'eau essentiel qui est vachement bien pour ceux qui font un peu de match, on va dire, ou qui veulent venir faire des attaques entre copains, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, les poissons réagissent bien, là on a pêché quand même à différents appâts, l'avantage c'est de pouvoir essayer différents appâts. Donc là j'ai commencé ce matin à la patte. Pas de pelée comme je fais d'habitude, comme vous avez l'habitude de voir sur mes vidéos. Donc ça m'a permis d'essayer encore les appâts fish and feed. Et cet après-midi, j'ai commencé, bah là je suis au pelée Sony Bets avec les dumbbells, mais j'ai même fait aussi de la carpe ce matin avec les pelées et les dumbbells de fish and feed. En fait, tout fonctionne en fait. Là, ce qui se passe, c'est surtout qu'on tape surtout les cheptels de petits poissons qui a été introduit au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a vraiment les poissons qui ont été rempoissonnés cette année. Donc ils sautent surtout, quoi. Voilà. Donc après, par contre, en conseil qu'on pourrait avoir, c'est ne montez pas trop fort en ligne si vous pêchez la canne au cou. Moi, je dirais plutôt en ligne, monter en 22 centièmes. Élastique, si vous avez des gros élastiques, c'est pas la peine. Vous allez faire plus mal aux poissons qu'autre chose. Un élastique de 2,2, moi, je suis monté un peu plus fort, mais bon, c'est ce que j'explique, c'est que j'ai pas forcément toujours les kits adaptés aux endroits où je vais pêcher. Mais un élastique de 2,2, ça s'y prête bien. Des hameçons, surtout pas fort de fer. Vous allez arracher les bouches des poissons au ferrage. Donc il faut des hameçons bien piquants, petits, à la rigueur, ça s'y va bien. Bon, après, si vous pêchez la patte, il faut des hameçons adaptés, mais pas besoin non plus. En fait, il faut revoir un peu la technique de pêche par rapport à l'approche que j'ai moi d'habitude dans les carpodromes que je pêche, où c'est des poissons un peu plus gros. Mais il y a des beaux spécimens à faire quand même. Hein. Donc là, voilà. Donc on va s'occuper du poisson et on continue la présentation. Ah, décroché. Et encore décroché. Hein. Je vais changer de bas de ligne. Donc sinon, en thème de pêche méthode feeder, bon, pour ceux qui découvrent cette technique, c'est assez simple pour pêcher le plus simple possible. Donc c'est un méthode. Là, c'est méthode de chez Preston. Je suis en combien? En 45 grammes. Donc là, il y a 3,90 m, c'est vraiment pour ça que ça descende. Si possible, d'utiliser des hybrides. Donc les hybrides, c'est ceux en fait où vous avez les renforts évasés sur le côté pour tenir quand même un peu l'appât. Parce qu'au contact de l'eau, quand l'appât va tomber, va éclater. Et en fait, vous n'avez plus rien quand ça descend en bas, quoi. Et là, je suis en appât semi-flottant, c'est-à-dire que mon appât est décollé du fond, quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de taille d'hameçon. J'ai un hameçon, là, je dois être en 16. Et par rapport à la taille du dumbbell, je suis vraiment trop gros. Donc je vais réadapter mon hameçon à la taille de mon appât. Parce que là, je décroche de trop, quoi. Et c'est dommage, c'est pas le but. Et en plus, j'avais un nœud. Allez. Toc.
on va changer de taille d'hameçon. On va mettre quelque chose d'un peu plus gros. Je vais passer sur du 16. J'étais sur du 18 avant et c'est vrai que, bon, vu la taille des poissons, et comme ils ont des petites bouches fragiles, je préfère pêcher avec des petits hameçons, mais là, vu la taille du dumbbell, ça fait vraiment... Voilà. Voilà, c'est une petite présentation sympathique. Bon, sinon, le cadre est sympa, vous pouvez manger sur place. Il y a un chef. Il suffit, quand vous arrivez, de demander à Laurent de vous préparer un repas de midi. Les prix sont corrects, hein, de toute façon. Et puis, vous pouvez manger sur place, il y a des sanitaires. Enfin, c'est bien aménagé pour les pêcheurs. Donc là, je pêche, j'ai volontairement allongé par rapport à ce matin. Je pêche un peu plus loin, là, je suis à 40 mètres à peu près. Toujours à peu près dans 3,90 m d'eau. Hop! Donc là, ce que je fais, c'est que je laisse descendre vite mon méthode. Dès que je sens qu'il est tombé, je coule mon sillon. Je donne un petit à-coup pour couler ma ligne. Donc si vous voulez faire un max de touches, un max de départ, je pense que ça vaut le coup. Faire une journée avec plein de touches, plein de poissons. Après, le règlement reste le même. Hein, c'est donc tapis de réception pour protéger les poissons. Pas de bourriche pendant hors concours, hors match. Ce qui est normal, c'est les règlements généraux de tous les carpodromes qui existent en France. Pareil pour les hameçons, tout ça sans ardillon. Enfin. Après, je vous invite à aller sur la page Facebook, je vous mettrai le lien sur cette vidéo. Allez sur la page Facebook, n'hésitez pas à appeler Laurent pour avoir des renseignements, il vous répondra sans problème. Enfin, bah, ça fait du bien, ça fait sortir un petit peu, découvrir autre chose. Et puis bon, le cadre est sympathique, hein, les berges sont accessibles en voiture, ça c'est un point important. Si vous pouvez décharger votre matériel derrière votre poste où vous pêchez, c'est accessible partout, donc il n'y a pas besoin de chariot, donc c'est nickel quoi. Bon, là j'ai encore des touches, c'est moins franc que tout à l'heure, ce qui est un peu normal, hein, je pense qu'on a... Bon, il y a de l'esturgeon, hop, il y a de l'esturgeon aussi, si c'est pas de bêtises, oui c'est ça, il y a aussi des... Oh. Enfin, il y a de quoi s'amuser dans toutes les différentes techniques de pêche. Je pense que même à l'anglaise, on regardait ce matin, vous aviez des poissons à 25 mètres aussi, au waggler aussi, ça peut s'y prêter. Moi qui voulais faire des essais au feeder pour pêcher au zig, je pense que le plan d'eau s'y prête très bien. Donc, ouais, il y a franchement de quoi s'amuser. Quoi. Ça m'a aidé quand même un peu, on va voir. Donc il n'est pas épuisé, il n'est pas arrivé. Ouais. Bon, ils ont de la gouache, hein. C'est des petits poissons, mais ils ont la santé. Ah, c'est vraiment, je crois que c'est le plus petit que j'ai fait là. Mais bon, petit carpo. Allez, piquer sur le côté, c'est pour ça. Hop.
Bon, c'est vraiment les plus petits poissons qu'il y a sur le... Il y a plus gros que ça quand même. Mais bon, voilà. Un petit carpo qui viendra grand un jour. Hop. Hop. T'as des touches au bord là? Ça y est? Ah bah je vais me mettre au cou là. On termine cette journée. Bon là on a beaucoup de petits poissons arrivés sur le coup en bordure là. C'est touche après touche. Bon, on a beaucoup de loupés aussi. C'est pas des touches franches quoi. Mais voilà. Mais c'est sympa. Donc vous voyez, vous pouvez pêcher à la fois au feeder, à la fois au coup. Voilà, c'est reparti. Donc c'est sympathique quand même. Bon, malgré que ça reste des petits poissons, mais bon, ça fait des touches. Hein. Allez, hop. Alors toujours au pelémou, salsa. Pardon. Je suis redescendu, un bouchon de 0 g 3. Voilà, et juste deux petits plombs à 30 cm de mon hameçon. Donc c'est vraiment une pêche très simple. Ah, les poissons sont là parce que le bouchon il a même pas le temps de descendre. Ah, et ça continue. Commune. Hop. Voilà. Petite commune. On profite, hein, y a plein de touches, on essaye des trucs. Dans ces moments-là, après, ce qu'on veut essayer, c'est d'être le plus efficace, on va dire. Même si ça reste de la pêche, bien sûr. Les touches, on les a, mais bon. Le but, c'est de faire zéro décroche. Alors, je passe sur un dumbbell, sur une bague. Hop. On va voir ce que ça donne. L'avantage, c'est que mon hameçon est dégagé. Et il est libre. Maintenant. Ah, il préfère les pelémous que le dumbbell. Ah, yes. Eh ben, pour du petit poisson. Bien. Hop, dans la boîte. Oh, elle est magnifique par contre. Une belle couleur. Bon bah les amis, on va arrêter là-dessus. J'espère que ce petit film vous aura plu. Présenter ce domaine.
Hop, je vais vous montrer le poisson. Joli petit poisson qui ne demande qu'à grossir. Hop, voilà. Toc. Voilà. Bon ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à venir découvrir ce site pour ceux qui les amoureux de la pêche à la carpe. Même si c'est du petit poisson, il y a de quoi s'amuser, faire pas mal de touches. Le cadre est sympathique, le plan d'eau est sympathique. Donc voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner si vous découvrez cette chaîne. Et pensez à cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez recevoir les messages des nouvelles vidéos. Voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée et à bientôt. Ciao! Allez, madame, rentre dans l'épuisette. Hop, voilà. Elle n'a plus qu'à grandir maintenant et grossir.